Je suis à votre service, capitaine. Oui. Allez-y. À vous le. Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau ? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise. Comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez, vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière, cette fois. Franchement, c'est juste un titre officiel. Pour moi, il s'agit plutôt d'avoir la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Quand les artefacts ont commencé à être assemblés, vous étiez déjà des nôtres. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Tous ensemble. À ce propos, ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble ? Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation et je compte bien l'écrire. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats, et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Traduction anglaise du Bhagavad Gita, datant du 18e siècle. Ah, je le savais. Eh bien, bonne chance. Vous savez, on finit par bosser avec tout le monde ici, à la loge. Constellation en a fait sa priorité. Parfois on fait équipe, parfois on travaille en solo, rien n'est gravé dans le marbre. C'est juste que cette mission a été une réussite, et j'ai pensé qu'il faudrait profiter de la vague. Ce silence devient un peu gênant. Bien, nous avons plusieurs pistes à étudier. Tout d'abord, Samko a monté une expédition. Il vise la Confédération Liberastra et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin, Noël. On a des nouvelles de Barrett ? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrett en personne. C'est plus calme ici depuis que Vladimir est parti vivre à plein temps sur l'Iris.